Aujourd'hui, je suis toute seule. Bonjour! Alors, ça va faire très bizarre, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de retour de course toute seule. Donc ça va être un retour de course très très calme. Doudou est au travail, donc... Alors, il est au travail dans le bureau, hein, il est en télétravail aujourd'hui. Mais voilà, pas de retour de course à deux, je vais être toute seule. Écoutez, ça sera très calme et je pense que ça va être un petit peu plus rapide que d'habitude. Mais bon, de temps en temps, c'est pas mal. On est parti, donc on est allé faire les courses ce matin avec les filles. Intermarché, comme d'habitude, je suis pas repassée à grands frais ou quoi parce que j'ai trouvé tout ce que je cherchais à Inter, donc très très bien. On est parti, j'ai repris des yaourts nature par 4, donc pour faire... que ce soit mes yaourts maison ou alors mes gâteaux yaourts. Gâteaux yaourts qu'on adore à la maison. Je pense qu'on va... Alors là, tout à l'heure, juste après, on va faire les goûters pour cet après-midi. Je ne sais pas encore ce que veulent faire les filles. Soit on fait un mousseux au chocolat, soit on fait les gâteaux yaourts, soit on fait des petits biscuits du genre des petits sablés, des petits cookies. Je ne sais pas encore. On n'en a pas parlé, donc on verra bien cet après-midi. Ensuite... j'ai pris de la viande hachée, donc j'ai pris, il y a combien de grammes? 600 grammes. Ça, c'est pour deux préparations. Je vais faire une sauce bolognaise, donc sauce tomate, etc. Et je vais faire également une poêlée de pommes de terre poireaux avec la viande hachée. Donc, je vais partager en deux, 300, 300, et puis ça ira très très bien. Généralement, je fais bien comme ça. Voilà, je préfère au moins, je préfère prendre un plus gros paquet de viande hachée et faire deux préparations avec. En termes de bolognaise, 600 grammes de viande, c'est trop. Moi, j'arrive à partager en deux, j'en mets que 300 et c'est très très bien comme ça. Ensuite, j'ai pris ça, des manchons et ailerons de poulet rôti. Donc, j'en ai pris deux paquets. Alors ça, je suis pas trop fan de ça. Je préfère faire moi mariner mon poulet, le faire cuire. Mais là, j'ai pris ça pour un soir de la semaine puisque je vous en ai parlé un petit peu dans les vlogs, mais cette semaine, je me fais opérer. Et en fait, je vais être hospitalisée pendant une nuit, deux jours, mais une nuit. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faciliter pour que Doudou ait pas trop de cuisine à faire, etc., etc. Donc, je lui ai dit, je t'ai pris ça. Voilà, il fera des tomates, des concombres avec et il pourra même faire des frites. Les filles, elles m'ont demandé des frites. Donc voilà, il fait réchauffer ça et ça sera très très bien. Comme ça, il se casse pas trop la tête. Même si je vous avoue que je vais faire du batch cooking. Donc en fait, tout sera presque prêt ou juste à faire réchauffer. Donc ça sera très très bien. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau de la viande. Donc j'ai pris des os de cuisse. Ça, on va les faire avec, vous savez, ma préparation à l'ail, là, avec les grosses gousses d'ail. Vous arrêtez pas de me demander la recette, il faut absolument que je vous la filme. C'est d'une simplicité, je vous jure, c'est très très simple. Mais il faut que je vous la filme, il faut que je prenne le temps de la filmer. Donc, à voir si cette semaine j'ai le temps de la filmer. Sinon, je vous la filmerai la prochaine fois. Et ça sera une vidéo dédiée sur la recette du poulet à l'ail. Ensuite, j'ai repris du fromage râpé, donc j'ai pris de la mozzarella râpée et du fromage de chèvre, puisque ces deux-là, on les avait terminés la semaine dernière, j'en ai repris. Il nous reste encore de l'emmental râpé, donc j'en ai pas racheté. Voilà, mozza et chèvre, ça ira très très bien. Au niveau du parmesan, vous savez, j'avais acheté un bon morceau. J'avais acheté à grands frais et j'avais dit à Doudou, tu vois, c'est un peu plus cher et tout, mais franchement... Et ben quand tu vois tout ce qu'il y a par rapport à dans un sachet en fait, quand tu fais la différence de prix des grammages, et ben ça vaut plus le coup d'acheter un gros morceau. Alors oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher par rapport au petit sachet, mais en termes de poids, t'en as carrément plus quand tu le râpes toi-même, donc c'est parfait. Les petits bruits que vous attendez, ne vous inquiétez pas, c'est les filles, elles ont les livres musicaux, donc voilà, vous avez un petit chien, un mouton, une vache. Les musiques de Jean-Jacques Goldman, Céline Dion et téléphone, tout va bien. Ensuite, j'ai pris ça, des petits surimi avec la mayonnaise dedans. Aria les adore, comme elle est venue faire les courses avec moi, etc. Bah, elle l'a pris. Demain, on a prévu un petit pique-nique avec les filles. Donc, je vais faire les petits sandwichs. J'ai acheté des petits pains au lait. Et en fait, je vais faire les sandwichs. Et comme ça, demain, on partira en pique-nique. Donc, je pars en pique-nique avec les trois louloutes. Voilà, donc je ferai et dans du pain de mie et dans les pains au lait en fonction de ce que veulent les filles. Ensuite, j'ai repris deux plaquettes de beurre. Donc, comme d'hab, la pâturage, la douce, doux, sans sel, quoi. Très, très bien pour faire les pâtisseries, etc., etc.
Ensuite, j'ai racheté des petites allumettes de bacon et j'ai pris également des aiguillettes de poulet. Vous savez, j'aime bien ça. Alors ça, j'aime bien les mettre dans le taboulé quand je fais mon taboulé maison. D'ailleurs, taboulé maison, vous n'arrêtez pas de me demander la recette. Mais je crois que je vous l'avais déjà faite, la recette du taboulé. Si vous la voulez filmer, n'hésitez pas à me dire parce qu'à chaque fois, j'en ai plein qui me disent « Bérangère, je veux ta recette de taboulé, il a l'air trop trop bon. » Alors, je vous jure qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mais voilà, si vous la voulez et si vous voulez que je vous filme vraiment de A à Z la recette, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc les petites aiguillettes de poulet, c'est pour faire et un taboulé et pour mettre, vous savez, quand vous faites des salades, salades vertes, des carottes râpées, tomates et tout. Moi, j'aime bien ajouter ça le soir quand je pars au boulot. Je me mange ça, c'est très frais. Là, franchement, alors vous allez voir que je vais un petit peu cuisiner cette semaine. Mais quand c'est, voilà, c'est le plus simple possible avec ces chaleurs, de ne pas allumer le four ou quoi, c'est très très bien. Voilà pour tout ça. Ensuite, j'ai racheté des fromages frais à la vanille. Donc par 8, j'en ai pris 2 paquets, donc ça en fait 16. Pour toute la semaine, normalement, ça devrait aller, on va tenir. J'ai racheté également des mozzarella. Alors vous savez, nous on prend de la marque producteur et commerçant itinéraire des saveurs là. Et c'est de la bouffala et franchement, elle est très très bonne. Pour en avoir testé pas mal, celle-ci, on la trouve très très bonne. Elle n'est pas trop forte parce qu'il y a certaines mozzarella di bufala, elles sont un peu fortes quand même. Là, celle-ci, elle est vraiment parfaite. Ensuite, ici, on est passé au rayon boucherie. J'ai acheté des brochettes de poulet, donc marinées, à la pina colada. Il faut absolument que j'essaie de trouver une recette avec la pina colada, parce que là, ils la font. Alors, ils ne la font pas tout le temps, malheureusement. Mais franchement, trop trop bon. Et là, en fait, la personne qui était à la boucherie m'a donné la recette. Enfin, elle ne m'a pas donné clairement la recette, mais elle m'a dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, la prochaine fois, je vais refaire. Je le referai à la maison parce que quand même c'est pas donné. Là on est à 21 euros le kilo de poulet qui est juste mariné. Franchement quand tu vois que tu payes la caissette d'un kilo à 8 euros, bah, ça vaut plus le coup quoi. Donc bon, là il m'a donné la recette, on verra ce que ça donne. Je vais la tester et puis j'espère que j'y arriverai. En fait les brochettes, vous avez une marinade un peu blanche jaune dessus et voilà, mais bon. Il m'a dit comment il faisait, donc je vais la tester. Et si c'est concluant, je vous la partage. Voilà, donc ça, c'est les petites brochettes de poulet pour demain midi. Ah ben non. Ah ben non, pas demain midi. Si demain midi, on fait le pique-nique. J'ai pas pensé. Et ben peut-être ce soir. Je vais peut-être les faire ce soir, les brochettes de poulet au barbecue, avec une bonne grosse salade de crudités. Tomates, carottes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce que demain midi, en fait, j'ai prévu pique-nique. Doudou est au boulot. Ou c'est ce soir, les brochettes, ou c'est demain soir. On verra. Mais je voulais les manger avec eux parce que si je pars au boulot, vous voyez. Bon, enfin bref, je vais réfléchir. Ensuite, ou ça sera mercredi. Ça pourrait être mercredi aussi. Ensuite, j'ai repris un camembert di bufala à la truffe qu'on avait adoré la semaine dernière. Alors ça, pareil, à consommer avec modération parce que, alors déjà, ça coûte, voilà. Je crois qu'il est à 6 ou 7 euros le camembert, mais par contre, il est très très bon. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec un... Alors déjà, le camembert à la di bufala, il est vraiment bon et il y a un autre goût, mais à la truffe, c'est encore meilleur. Voilà, je pense que il faudrait que je teste de faire mes fromages à la truffe, c'est-à-dire d'acheter un brie ou d'acheter un camembert et de le truffer. Pareil, le brie à savarin, tu peux le truffer aussi. Et en soi, c'est très simple. Si tu as des truffes, il faut acheter du mascarpone et tu mélanges ta truffe avec le mascarpone et c'est très très bon. Il faudrait vraiment que je teste. Ensuite, j'ai racheté des vaches qui rient puisque comme on a fait des palmiers chorizo hier pour l'anniversaire de Romy, j'en avais plus trop. Donc j'en ai racheté alors pour manger comme ça, mais également pour faire les petits apéros. Et niveau frais, pour terminer, j'ai acheté du plantafin. Il n'y avait pas la marque de Inter, donc j'ai pris la marque plantafin. Ça ira très très bien. Ensuite, j'ai racheté des petites briques de jus de fruits aux filles. Ça, j'en achète pas toutes les semaines parce que là, vous voyez, j'en ai acheté 2 packs de 6, donc ça en fait 12. Elles en prennent pas tous les matins et des fois, quand elles en prennent un, et ben en fait, si Kali va prendre un jus de fruits, Aria va finir son jus de fruits et elles en ouvriront qu'un seul. Voilà, donc là, ça faisait un petit moment que j'en avais pas racheté. Voilà, les pressades, ils sont très très bons, ils sont pas trop sucrés.
et il n'y a pas de la merdouille dedans. Voilà, parce que nous, avant, on achetait les briques, genre marque distributeur, quoi. Et tu sens qu'il y a du sucre qui est rajouté. Là, franchement, ils sont top. Et franchement, niveau goût, ils sont très, très bons. Ça ne fait pas chimique, tu vois, donc très bien. Ensuite... Hop, j'ai racheté de la sauce Benedicta, sauce crudité. Vous savez, c'est ma sauce à moi que j'adore. J'en ai racheté puisque dernièrement, ça a été très compliqué de la trouver. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que, je sais pas, comme la moutarde, j'explique pas le truc. En tout cas, Doudou m'en avait acheté deux hier, donc on en a entamé une bien. Elle est bien vidée déjà. Et je me suis dit, il faut que j'en rachète une autre pour en avoir en stock dans ma réserve. Comme ça au moins j'en manquerai pas, parce qu'en fait j'en avais acheté deux la dernière fois et ma voisine m'en a demandé une, et après pendant, je vous jure, hein, pendant un ou deux mois j'en trouvais plus, quoi, je n'arrivais pas à en trouver. Donc là je suis trop contente d'en avoir trouvé, j'en ai deux d'avance, je suis bien contente. Ensuite, niveau sec, j'ai racheté du sucre blanc, donc 2 kilos, j'ai racheté du sucre roux pour remplir mon petit pot là derrière. Généralement sucre roux je l'utilise pour faire les cookies principalement, ou tout ce qui est crumble. Voilà, mais j'en ai toujours. J'ai racheté également des carrés de sucre. Alors, je les ai pris en petits, donc hexagonal, puisqu'en fait, moi, quand je mets dans mon thé, généralement, j'en mets un demi. Voilà, et la dernière fois, je m'étais plantée, j'avais acheté des gros carrés. Donc, alors, je les coupais, hein, mais là, s'ils sont déjà coupés, c'est mieux. Voilà, donc des petits carrés de sucre. Ensuite, j'ai racheté des pépites de chocolat. Hop, les chavrières. Alors... Là, c'est parce que j'en avais besoin cette semaine. Sinon, habituellement, j'aime bien l'acheter. Moi, quand je vais à métro, je l'achète en gros. Et ça vaut plus le coup. Après, pardon, j'ai loqué. Mais je vous l'ai déjà dit, moi, généralement, quand je fais des cookies, je hache mon chocolat. Comme ça, ça fait des bonnes pépites de chocolat. Voilà, parce que quand on compare les tarifs de la plaquette de chocolat et les pépites... voilà, tu te dis, punaise, tu payes plus cher alors que c'est juste que des pépites, tu vois. Donc si tu veux des cookies avec des gros bouts de chocolat, vaut mieux le hacher toi. Tu prends un couteau, une planche à découper et tu haches, ou alors au robot. Et là, les pépites de chocolat, c'est parce que pour certaines photos, j'en ai besoin et qu'on voit bien les pépites, tu vois. Donc j'en ai racheté à Inter. Ensuite, j'ai repris un petit chorizo doux. Ça, c'est pour quand on fait les apéros dînatoires. Une pâte feuilletée, un petit peu de vache qui rit, tu haches ton chorizo, tu roules en palmier et ça c'est trop trop bon. T'envoies au four entre 10 et un quart d'heure de cuisson, c'est trop bon. Moi je sais qu'à la maison on fait très régulièrement ça et tout le monde adore ça, c'est trop bon. Acheter du chorizo doux, et en fait l'association vache qui rit et chorizo, ça apaise le truc, tu vois, c'est pas trop fort. Et même de toute façon le chorizo doux il est très bon, donc voilà. Même les filles, pour vous dire, elles en mangent, et même Romy ce week-end elle a goûté et elle a adoré. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai acheté des pains au lait. Donc, j'ai pris la marque Chabrior. On ne les a jamais testés. Donc, on verra ce que ça donne. Ça, c'est pour faire et les sandwichs pour demain midi, mais également pour le matin. J'ai dit aux filles, on peut couper en deux le pain au lait. On met soit du beurre et tu replies, ça fait un petit sandwich. Soit tu mets de la pâte à tartiner et tout. Donc voilà. On va tester. C'est vrai que moi, je leur achète toujours de la brioche. Mais je me dis, pourquoi pas changer de temps en temps. En parlant de brioche, j'en ai racheté, donc comme d'habitude, la fournée dorée, la gâche. La dernière fois, j'ai essayé la chavrior et franchement, eh ben, je trouve qu'elle est beaucoup moins gourmande, je dirais. Donc voilà, je me rabats sur la fournée dorée, elle est très très bien, nickel. Voilà, j'ai voulu tester, essayer la chavrior. Moi, je l'apprécie pas forcément, je trouve que, voilà, moins gourmande. Après, elle est très bonne, hein, elle est pas mauvaise du tout, mais elle est moins gourmande. Je vais changer la batterie parce que ça clignote et je reviens. Ensuite, on continue. J'ai racheté la marinade. Vous savez, à chaque fois, je vous la présente. Donc, c'est la marinade maître d'hôtel. Alors, je réexplique parce qu'à chaque fois, on me dit, mais Bérangère, tu la trouves où? Moi, j'arrive pas à la trouver dans mon inter. Or, déjà, je pense qu'elle n'est pas dans tous les inter. Moi, en fait, si vous voulez, vous avez le boucher. Donc, vous savez, la viande, elle est sous les vitres, là. Et en fait, le présentoir à sauce, il est au-dessus de la vitrine du boucher, entre le boucher et le traiteur. Voilà, et je les trouve ici. Vous avez plusieurs goûts. Vous avez thym citron, maître d'hôtel, provençal, Tex-Mex et curry, je crois. Curry quelque chose. Curry indien, je crois que c'est ça, curry indien le nom, si je me trompe, désolée. Et en fait, alors, en termes de tarifs, on n'est quand même pas donné. Moi, je trouve que... Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de celle de Leclerc et il y avait beaucoup plus et c'était à peu près le même prix, mais il y avait plus de quantité. Et ben, en termes de goût, elles sont pas... Voilà. La maître d'hôtel, celle de Leclerc, elle est pas top.
Je préfère celle-ci. Par contre, la sauce échalote de Leclerc, elle est très bonne. La marinade de Leclerc échalote, elle est très bonne. Voilà, donc en fait, voilà. Bref, la échalote, il m'en reste pas mal encore. Donc voilà, je vais pas en racheter tout de suite. Mais par contre, la maître d'hôtel, on l'adore à la maison. En fait, c'est une persillade, hein, clairement. On l'adore, elle est très très bonne. Les filles, elles l'adorent aussi, donc voilà. Et je vous dis, la prochaine fois, je vais tester la pina colada. Enfin, je vais faire ma préparation pina colada. Et je vous en dirai des nouvelles. Si c'est réussi, je vous la partagerai. Ensuite, alors, avant de passer aux fruits et aux légumes et au entretien de la maison, j'ai racheté des petites baguettes que je fais pré-cuire moi au four. Ça, c'est trop pratique. Donc, j'en ai pris que deux cette semaine parce qu'il m'en restait deux de la semaine dernière. Donc, voilà, ça fera toute la semaine. Ensuite, j'ai racheté du papier toilette humide, voilà, pour mettre dans nos WC et dans les WC du bas. J'ai racheté du sopalin, alors ça j'en achète pas trop, mais là j'en avais besoin, je n'en avais pas racheté depuis un petit moment, donc j'en ai racheté. Et j'ai pris également du Lénor, donc c'est de l'adoucissant. Moi je prends toujours ces parfums-là, donc le bleu et le doré. Et en fait vous savez, j'achète les perles qui parfument le linge de la même couleur, donc la dorée et la bleue. Et en fonction de quel adoucissant je mets dans ma machine, et ben je mets les perles qui vont avec. Attention, je ne mélange surtout pas les perles, c'est à dire que je ne mets pas les perles bleues avec l'adoucissant doré. Non, pas du tout, je suis toquée là dessus mais bon, ça va, je me soigne. Ensuite, je ne vous ai pas montré, mais niveau sec, j'ai acheté un paquet de couches pour Romy également. Et j'ai acheté du lait, donc du lait demi-écrémé et du lait entier. Puisque ça y est, Romy passe au lait entier pour les bibis le matin. Voilà, on a la validation par le médecin, il n'y a pas de souci, c'est bien du lait entier. Après, ils disent le troisième âge, tu peux. Le lait entier, c'est bien parce qu'il y a tout, en fait dans le lait entier. Donc voilà, nous on va passer progressivement au lait entier. De toute façon, j'ai du lait entier à la maison, donc il n'y a pas du tout de problème pour lui en mettre le matin. Ensuite, niveau fruits et légumes, vous allez voir que j'en ai acheté un petit peu, mais pas trop. Puisque il m'en reste un petit peu de la semaine dernière. J'avais acheté des nectarines, des pêches plates, et il m'en reste un petit peu. Donc voilà, quitte à aller faire des courses dans la semaine, ou pas d'ailleurs, on verra bien. En tout cas, les courses de la semaine prochaine, elles ne seront pas faites le lundi. En fait, là, comme on avait un anniversaire le samedi, que le vendredi, on n'était pas à la maison et tout, ça a un petit peu tout chamboulé. Mais cette semaine, je referai les courses vendredi. Voilà, pour repartir sur une semaine correcte. Ensuite, donc, oui, je vous ai dit, fruits et légumes. J'ai acheté de la sucrine par 3, comme d'habitude. J'ai pris des avocats, j'en ai pris 2. Ils étaient en promo à Inter. Ils étaient à 1,69€ les deux et ils sont quand même bien, bien balèzes. J'étais en train de vous parler des avocats et ça a coupé, ça m'énerve. En fait, c'est les batteries, il faut qu'on rachète des batteries. Les batteries ne tiennent plus du tout la charge, c'est un truc de fou. Bref, donc j'ai racheté des avocats. J'ai acheté des avocats. Ils sont quand même bien, bien balèzes. Ils sont gros, par contre, ils ne sont pas mûrs du tout. Donc, je vais les laisser dans mon panier à fruits et ils auront le temps de mûrir. Alors, je pense que je vais faire comme ma mamie, elle faisait. En fait, ma mamie, elle le mettait dans du papier journal. Et je vais faire pareil. Comme ça, au moins... Ça veut pas venir. Comme ça, au moins, il aura le temps de bien mûrir et on pourra le consommer. Je pense qu'on pourra le manger fin de la semaine. Ensuite, alors, attention, je vais vous faire une histoire d'amour sur les abricots. Mais en fait, quand on les a vus en rayon avec les filles, ils m'ont donné mais tellement envie. Non, mais regardez cette couleur, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. En plus, ils sont tout petits, donc pour les filles, c'est top. Alors, il y en a qui ne sont pas encore bien, bien mûrs. Et encore, franchement, moi, je les trouve top. Ils n'étaient pas forcément très, très chers. Parce que là, il y a un kilo, ils sont à 2,69€. Donc, c'est à peu près le tarif. Hein. Donc, voilà. Trop contente. Quand je les ai vus, ils m'ont trop donné envie. Donc, j'en ai acheté. Ensuite, j'ai acheté également un melon comme ceci. Alors, je crois que c'est les melons verts. Ça, généralement, quand je les achète, je les prépare et je les mets en B-Save. Comme ça, on peut picorer dedans. Quand je fais le goûter, je mets tout sur la table et les filles, elles piquent dedans avec des cure-dents. Moi, je l'adore celui-là. Je le trouve trop, trop bon. De toute façon, là, il faut en profiter. Hein. Tout ce qui est melon chorantais, les melons comme ça, les pastèques, etc., etc., faut les manger maintenant parce que dans quelques mois, il n'y en aura plus. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté des poireaux pour faire des poireaux. Vous savez, ma fameuse poêlée poireaux, pommes de terre, viande hachée qu'on adore à la maison. Donc ça, pareil, je vais la préparer en batch cooking et on mangera ça un soir de la semaine.
J'ai acheté également des cerises, ça paraît, bientôt il n'y en aura plus, donc il faut en manger. Alors j'en ai pas acheté pour les faire en clafoutis, parce qu'on en a déjà fait pas mal cette année, des clafoutis. Mais on les mangera comme ça, nature, moi je les adore, elles sont trop trop bonnes. Donc voilà, d'ailleurs la dernière fois on m'a dit, Bérangère, est-ce que tu as regardé la vidéo TikTok sur les cerises, genre tu les mets dans l'eau chaude et tout, tu vois tous les vers sortir. Non, je ne l'ai pas regardé et je ne veux surtout pas le faire parce que je pense que ça va me dégoûter des cerises. Écoutez, je pense que vu le nombre de fois que j'ai mangé des cerises, à mon avis, j'ai dû déjà manger des vers. Voilà, c'est comme ça. Je veux pas y penser. Je n'y pense pas en fait. Je sais même pas pourquoi je vous en parle d'ailleurs. Ensuite, j'ai racheté des bananes. Donc vous le savez, dès que j'achète des bananes, je les prends pas trop mûres, un petit peu vertes. Parce que là, il m'en reste deux à consommer. Donc voilà. Là, dans deux jours, elles seront parfaites. Donc voilà, généralement, je les prends pas trop mûres. Et pour terminer, j'ai acheté des courgettes, pardon, puisque je veux faire un velouté de courgettes cette semaine. Donc là, d'ailleurs, je vais m'en occuper juste après. Je vais allumer le thermomix et je vais faire mon velouté au thermomix. Et j'ai acheté également des tomates. Alors, c'est des tomates Torino, je crois. Je les adore. Elles sont un petit peu allongées. Il n'y a pas trop de grains dedans. Et franchement, vous faites ça avec de la mozzarella ou de la feta. Trop bon. Vous mettez un oignon frais. Trop, trop bon. J'adore ça. Elles sont un petit peu fermes, mais moi, c'est ce que j'aime en fait. Alors, soit je les découpe en rond, vous savez. Soit je les découpe dans la longueur, en quartier un petit peu. Et franchement, à la maison, on les adore. Voilà pour ce retour de course. Et comme je vous ai dit, j'ai acheté du lait, des couches. Et puis voilà. Voilà, voilà pour le retour de course de cette semaine. J'ai eu un petit bon de 5 euros à utiliser à partir de 30 euros d'achat. En fait, si tu fais tes courses tous les lundis, ils te donnent un bon de 5 euros à valeur sur le reste de la fin de la semaine à partir de jeudi. Donc, comme je vais aller faire mes courses vendredi, ça tombera très très bien. Voilà pour tout ça. J'espère que... Vous voyez, mon appareil photo, il chauffe maintenant. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Écoutez, il manquait une petite bouille avec moi, mais la semaine prochaine, dans le retour de course de la semaine prochaine, ça sera mieux. Parce que généralement, quand je fais mes courses le vendredi, ou ça m'arrive de les faire le samedi, Doudou, il est là. Donc, comme ça, on peut filmer le retour de course. Allez, je range tout ça, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bisous! Ah oui, et n'hésitez pas à me dire pour le taboulé, si vous voulez la recette, ou s'il y a une recette qui vous intéresse, filmée de tout ce que j'ai pu vous présenter, et ben vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Bisous!